par intermittence en Belgique. Je faisais la promotion du comté. Et donc j'ai travaillé pas mal avec les crémiers fromagers de Belgique. Et je suis venue régulièrement pendant une dizaine d'années ici. Et ça c'était très chouette parce que j'ai rencontré pas mal de monde et j'étais super bien accueillie. Je crois que c'est vraiment la particularité que j'ai retenue de ces séjours en Belgique. Et puis à un moment donné de ma vie professionnelle, j'ai eu envie de changer et après avoir fabriqué du fromage, en avoir fait la promotion, j'ai eu envie de savoir comment on le vendait. Parce que c'est un acte différent, faire la promotion, on offre toujours, donc c'est facile. Et donc j'avais une amie qui était devenue une amie assez proche, qui est Bernadette Delange, qui tient la fromagerie Saint-Michel à Waterloo, qui cherchait éventuellement du personnel. Et j'ai postulé, voilà. Donc depuis 3 ans, aujourd'hui, je travaillais chez Bernadette à Waterloo. Et puis, on a fait un genre de compagnonnage. Et du coup, Bernadette m'a pas mal coachée pour passer le concours de premier fromager en Belgique. Et suite à l'obtention de ce titre, je me suis dit que c'était quand même valorisant d'ouvrir sa propre boutique. Voilà, ça c'est l'histoire. De comment je suis arrivée ici, et ici particulièrement à la fruitière à Bruxelles. Quand on vend du fromage, les gens ont envie de le manger rapidement. J'aime beaucoup le concept du bar à vin, où on vient choisir un verre de vin et on peut manger un petit peu quelque chose avec. Il y a aussi le salon de thé qui est dans ce même esprit, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher de la cuisine, mais on va chercher un produit assez brut. Et donc l'idée de le faire avec le fromage, c'est pas une idée à nous, ça existe ailleurs. En particulier, on en a visité pas mal à Londres, il y en a quelques-uns à Paris. Mais je crois que l'idée au départ était une idée américaine.